Amis internautes de Séné Plus, l'émission, nous allons en parler, reçoit aujourd'hui M. Ali Haïdar, président de l'ONG Océanum, ancien ministre de l'écologie, de la protection de la nature, ancien ministre de la pêche et des affaires maritimes, président de la Fédération démocratique des Verts du Sénégal. La COP21, c'est fini. Pouvez-vous revenir sur les clés de l'accord sur le climat universel? Bon, pour revenir de manière brève, je peux dire que je me projette en 2100. L'humanité a appris à vivre de ses mers. Le désert a envahi la planète. Il y a un arbre qui pousse encore. Les scientifiques sont autour de l'arbre. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on le coupe maintenant ou est-ce qu'on attend le COP80? On a reporté toutes les questions environnementales à des échéances politiques. On a reporté toutes les préoccupations de la planète à des urgences de développement économique et on a essayé de fabriquer un escalier dans lequel il y a des marches qui ont différentes longueurs, des marches qui doivent nous amener à prendre en compte les préoccupations de durabilité de l'humanité, parce qu'il s'agit bien de ça, hein. Il ne s'agit pas de protéger la planète. Elle n'a rien à fiche de nous, la planète. C'est nous qui devons nous protéger, en réalité. Et il ne s'agit plus de protéger les générations futures. Il s'agit de nous protéger, nous. Donc, on a reporté ces préoccupations-là et on a fabriqué une échelle dans laquelle les Chinois vont monter doucement, les Américains vont monter vite. Je rappelle que ça fait 200 ans, ça fait deux siècles que les Américains sont les plus grands pollueurs de la planète. Qu'en 1850, un chef Sioux, un chef amérindien, disait en 1850, quand on aura mangé le dernier poisson, tué le dernier bison, coupé le dernier arbre, on se rendra compte que l'argent n'est pas comestible. En 1850. On est en 2015, on se pose encore des questions qu'on reporte à des lendemains alors que l'urgence est présente. Donc, le COP21, pour moi, est un échec. Il a servi, heureusement, à mettre en place un fonds vert climat. La plupart des gouvernements africains vont s'activer à le manger, ce fonds vert, à le transformer et à le transférer vers des comptes qui dormiront dans les banques suisses. Et ça dérangera personne. Bizarrement, nous avons vu à la fin de la COP21 le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, tout euphorique avec toutes les autres personnalités politiques. Et on a l'impression que la COP21 a été réellement une grande réussite. Mais ils sont obligés de vendre leur image, en fait. En réalité, je salue l'engagement du gouvernement français. Hein. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait un accord signé. Parce que il n'y avait pas d'accord signé. Mais un accord signé sur la base de quoi? Sur la base de on va reporter le problème et dans 5 ans on va se retrouver pour voir ce qu'on va faire. Un accord signé qui dit que oui, les Américains vont réduire plus, mais je rappelle ça fait 200 ans qu'ils polluent plus. Un accord qui dit que l'Afrique qui n'est responsable que de 2% du réchauffement climatique et qui subit les conséquences de ce réchauffement sans en être responsable, ne tape pas sur la table de manière énergétique pour dire aux pays soi-disant développés qui ont un problème de santé publique numéro 1 qui est l'obésité. Donc vous imaginez, je caricature, hein, mais le problème de santé publique numéro 1 de l'Occident, c'est l'obésité. Le problème de santé publique numéro 1 de l'Afrique, c'est la famine. Mais vraiment, alors Laurent Fabius, il a beau taper sur la table, il a beau être euphorique, il ne trompe que lui-même. Que lui-même. Maintenant, je salue l'effort de la France. Franchement, ils ont mené beaucoup d'efforts. Mais l'Inde, le Brésil, la Chine, qui aujourd'hui, économiquement, se réveillent et se développent et disent « nous voulons une croissance qui maintienne nos populations dans un cadre de vie convenable », on ne peut pas les empêcher, surtout en tout cas pas les Américains, qui pendant 200 ans n'ont été que des mauvais élèves et jusqu'à présent ne sont que des mauvais élèves. Donc, et puis je reproche à la COP21 de ne pas avoir pris en compte les guerres, toutes ces bombes qu'on explose partout là. Elles contribuent à réchauffer la planète, personne n'en parle. Personne n'en parle. Pourquoi? Vous savez, on vivra ensemble dans une planète où il y aura la justice et l'équité.
où on partagera une planète de terreur. On ne peut pas, de manière démocratique, à l'ONU, décréter que des F-16 doivent décoller pour bombarder les populations irakiennes qu'on a massacrées, les populations libyennes qu'on a massacrées, les populations syriennes qu'on est en train de massacrer, les populations du Yémen qu'on est en train de massacrer, que pour des intérêts économiques d'accès au pétrole. Attention, hein. Et après, mettre en face des gens qui ont des ceintures explosives et on dit, bon, les autres, c'est des terroristes. Mais nous, on tue démocratiquement. Attention, hein. Nous vivons dans une planète qui est injuste où, à partir du moment où tu allumes ta télévision, tu deviens l'esclave du système. Et quand je dis tu deviens l'esclave du système, tu deviens un esclave depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Parce que si je pars du principe que 1% des richesses de la planète, 1% des populations de la planète détiennent et sont propriétaires de 86% des richesses de la planète. Et que dans ce 1% qui détiennent les 86% des richesses de la planète, il y a 10 familles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 familles qui possèdent 50% de toutes les richesses de la planète. Ça veut dire que moi, qui fais partie des 99% de la population, tout ce que je produis depuis ma naissance jusqu'à ma mort, je nais, je vais à l'école pour apprendre, je produis, je m'endette, je me nourris, je me soigne, je m'endette, j'achète une maison, je suis chômeur, je meurs, je ne fais qu'enrichir ces 10 familles. Ou enrichir ces 1% de la famille. Je suis un esclave du système. Et cette injustice ne peut pas perdurer. Et la preuve de son non-fonctionnement, c'est tous ces immigrés qui sont en train de quitter leur pays où il ne fait pas bon vivre, dans ces pays où... Où la moyenne d'âge, regardez, l'Occident nous dit, ouais, mais en Afrique, vous avez trop de bébés. Mais nous, on a une moyenne d'âge de 50 ans. Eux, ils ont une moyenne d'âge de 100 ans. Ils disent pas, ah, nous, on vit trop longtemps. Hein. Ils disent, vous, là, vous avez trop d'enfants. Mais on pourrait leur répondre, mais nous, on vit que 50 ans en moyenne. Vous, vous vivez 100 ans. Donc, on a le droit d'être deux fois plus nombreux que vous. C'est une injustice du commencement à la fin, c'est une vaste fumisterie et c'est un système qui est mis en place pour servir des intérêts économiques, purement économiques, seulement économiques. Donc nous pouvons dire depuis la première COP à Berlin en 1993 jusqu'à Paris 2015, cela n'a servi à rien. Non, on ne peut pas dire ça, hein, parce que tu vois... J'estime que de plus en plus on parle de l'environnement, j'estime que les politiques prennent en compte les préoccupations de durabilité. Si vous prenez l'exemple de l'Afrique ou du Sénégal, nous vivons des économies de prélèvement. Je prends le poisson de la mer que je mange ou que je vends pour régler les problèmes de santé, de scolarité, d'éducation, etc. Donc si le poisson il existe, le pêcheur est un homme qui s'en sort économiquement et socialement. Si la mer elle est pauvre, le pêcheur il n'attrape rien, c'est un gars qui a des problèmes. Donc, cela, les politiques sont en train de se rendre compte. La planète, aujourd'hui, les dirigeants se rendent compte. Mais les politiques sont aujourd'hui sous la pression du CAC 40, de la bourse, des triple A. Regardez cette vaste fumisterie du triple A. On avait un gars là, M. Madoff, qui avait triple A, qui a embobiné beaucoup de gens. Et voilà. Mais il avait quand même un triple A. Alors on a aujourd'hui des pays qui ont triple A, qui se battent pour conserver leur triple A, des pays qui sont dans triple B, dans triple C, dans triple... Mais c'est que de la fumisterie. L'argent doit servir l'humanité. Alors que nous vivons une planète où l'humanité sert les intérêts de l'argent. Et c'est ça le vrai problème pour moi. L'argent, c'est numérique, c'est virtuel, c'est du papier, ça ne peut que servir l'humanité. Mais on est arrivé à mettre en place un système où l'humanité sert l'argent. Et quand je dis l'humanité sert l'argent, sert bien sûr ces 10 familles ou ces 1%. Mais pas moi, et pas l'Afrique, et pas les pauvres. Il fut un temps où on parlait d'un nouvel ordre économique mondial. Aujourd'hui, ne doit-on parler d'un nouvel ordre écologique ? En tout cas, on doit et moi je pense que c'est possible, mais ça la solution elle est citoyenne. La solution ne peut être ni politique, ni
ni démocratique d'ailleurs. La démocratie, c'est aussi une vaste fumisterie, parce que si je prends l'exemple de la démocratie aux États-Unis, pour être candidat aux États-Unis, il faut être multimillionnaire en dollars. Les multimillionnaires en dollars, ils font 0,02% des populations. Donc c'est les 0,02% des populations qui décident pour les 99,08% des populations. Donc pour moi, ça aussi c'est un système qu'on nous vend et qu'on nous rabâche en disant c'est le système, mais c'est pas bon. À l'ère écologique, je crois que la réponse est citoyenne. C'est moi, individu. Qu'est-ce que je consomme? Comment je le consomme? Pourquoi je le consomme? C'est moi, individu, comment je me comporte? Et attention, je ne dis pas aux populations et aux citoyens, il faut ouvrir moins d'eau pour le robinet, il faut consommer moins d'électricité. Non, je ne dis pas ça, hein, parce que les multinationales qui surconsomment, qui surproduisent et qui surpolluent, on les connaît. Hein. Ce n'est pas l'état individuel. Mais je dis que si l'individu qui consomme et qui a le fin mot, parce que qui dirige le politique, parce que qui dirige la production, parce que qui dirige la consommation, si l'individu est responsable, à partir de là, on peut observer des changements. Mais cela passe par une prise de conscience. Et en cela, la communication autour du COP21, donc des préoccupations de la planète, du fait de son réchauffement, du fait des dérèglements climatiques, du fait de la disparition de beaucoup de ressources. Mais c'est inimaginable la quantité de ressources qui disparaît chaque jour, la quantité d'hectares qui disparaît envahis par le désert par jour. C'est impressionnant. Seulement les gens sont loin de cette réalité. Et la planète a commencé sans nous, elle finira sans nous, je vous assure. Maintenant, je pense que je suis quelqu'un d'optimiste. Hein, je pense que la planète va nous baffer un jour et va remettre des équilibres où l'argent aura sa vraie place. Une question qui concerne le Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes concernant la lutte contre la désertification. Bon, aujourd'hui, ce que je peux constater, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal, c'est que malheureusement, nous sommes un pays sahélien. À notre nord, nous avons le désert du Sahara. Et je rappelle aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent que le désert du Sahara s'appelait la forêt tropicale du Sahara. C'était une forêt. Donc ce désert est en train de nous envahir au nord. Qu'au sud, où on a quelques réserves forestières, nous avons une agression, mais phénoménale, du fait des exploitants, du fait des trafiquants, du fait des Chinois installés en Gambie qui donnent des motos à des jeunes pour couper le bois de veine dans la forêt de Casamance, du fait de certains fonctionnaires corrompus qui ferment les yeux sur des trafics, du fait de manque de préoccupation et de vigilance politique quant à ces questions environnementales existentielles pour le Sénégal et sa population, du fait de tout cela, notre environnement est réellement menacé. Maintenant, je salue. On vient de voter la loi plastique, le code de la pêche vient d'augmenter les tailles marchandes. Je rappelle, pour donner quelques exemples, que avant, dans l'ancien code de la pêche, on pouvait pêcher un mérou de 20 cm. 20 cm, un mérou, qui est censé peser 60 kg et mesurer 1 mètre. Atteindre sa maturation sexuelle, c'est-à-dire pouvoir se reproduire à 40 cm, donc ce mérou, on avait le droit de le pêcher. Donc on pêchait un poisson immature qui ne s'était jamais reproduit. Bien sûr, cela a mené à l'extinction de l'espèce. Aujourd'hui, on a revu le code de la pêche. Aujourd'hui, on a aboli le sac plastique, le mousse plastique d'un grammage léger qui envahissait notre paysage. Donc, les entreprises sont en train de s'engager vers cela. Les politiques suivent. Je salue tous ces efforts. Mais ils sont trop petits. Il faut être plus déterminé et plus courageux et aller plus loin en avant. Lutter. Moi, je pense, et ça, je le dis toujours, je pense que notre armée-nation doit s'occuper des problèmes environnementaux. Il faut que la gendarmerie, l'armée, la douane, les eaux et forêts, que tout le monde soit sur le terrain, la police, pour surveiller les trafiquants. Parce que c'est pas normal. Il y a tellement de permis pour couper des camions de bois de chauffe. Alors que tout le monde sait, je le dis haut et fort, tout le monde sait qu'à l'intérieur de ces camions de bois de chauffe, on transporte des grumes, on transporte des planches, on fait du trafic. Mais ça suffit.
Après, on dit qu'on a des préoccupations environnementales. Mais... Donc, on est confronté à un problème de maturité citoyenne. D'abord, un problème de volonté politique au niveau de l'administration, au niveau des politiques, un problème de citoyens, parce que il faut que les citoyens soient conscients que nous vivons des économies de prélèvement et que les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, qui représentent à peu près 70% des populations sénégalaises, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, ne vivent que de l'environnement, ne vivent essentiellement que de la ressource. Donc quand l'éleveur il voit les feux de brousse qui envahissent le tapis herbacé, son bétail n'a rien à manger. Quand l'agriculteur voit la forêt disparaître, parce que c'est de la forêt qu'il y a la matière organique qui nourrit la terre, donc le désert avance, et avec le désert, le vent qui lessive les sols, et avec le vent qui lessive les sols, il n'y a plus de production. La ressource halieutique est menacée parce qu'aujourd'hui, on délivre des licences industrielles pour pêcher le petit pélagique, alors que c'est la dernière réserve des ressources de protéines animales pour les populations africaines dans leur ensemble. Donc, il faut une prise de conscience, certes, il faut une éducation, mais il faut surtout une volonté politique ferme, déterminée et courageuse. La dernière question, vous avez été ministre de l'écologie et de la protection de la nature. Aujourd'hui, on a vu que le budget du ministère de l'Environnement a connu une baisse. Est-ce que vous appréciez une telle mesure? Bon, moi, j'ai toujours dit, et quand j'étais ministre de l'Environnement, et encore aujourd'hui, qu'il n'a jamais été question de moyens. Seulement. Jamais. Jamais. Quand j'étais ministre de l'Environnement, il y a 50 camions de bois qui traversaient en moyenne le poste de contrôle de Kaffrine. Les chiffres sont là. Les carnets sont là, le poste de Kaffrine est toujours là, vous pouvez aller vérifier. En moyenne, en 3 mois, janvier, février, mars 2012, 1560 camions de 30 tonnes de bois de chauffe ont traversé la frontière. Je suis arrivé en avril, et quand je suis arrivé en avril, ministre de l'Environnement, on a baissé cela à 15 camions par jour. Parce que 60% de ces camions ne payaient pas, c'était des permis gratuits, et qui étaient pour 80% délivrés à des marabouts. Donc on a mis un terme, on a dit vous voulez le bois, il faut aller payer les droits. Alors, quand j'ai fait ça, mais je n'avais pas plus de moyens qu'autre chose, seulement on était présent sur le terrain, au quotidien, et on luttait contre le trafic. Donc il ne s'agit pas seulement de moyens. Bien sûr, le fait qu'on baisse le budget du ministère de l'Environnement est un signal, que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut une volonté politique très forte. Si elle était là, peut-être qu'on aurait augmenté le budget, mais est-ce qu'il s'agit seulement d'augmenter le budget? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut une compétence, je pense qu'il faut une connaissance et je pense qu'il faut du courage. Il faut être courageux pour affronter les lobbies. Et le Sénégal plie sous le joug de 4 lobbies essentiels. Le lobby des marabouts, le lobby des médias, le lobby des syndicats et le lobby de l'administration. Que faut-il faire face à tout cela? Il faut être courageux. Il faut affronter les problèmes sereinement, mais en étant un courageux. Et puis il faut communiquer et il faut éduquer. Il faut que nous prenions conscience. Il faut que le citoyen prenne conscience que quand le désert nous envahira, quand la ressource halieutique aura disparu, nos populations vont faire comme tous les autres, ils vont prendre les pirogues pour aller vers d'autres cieux. Moi, je suis fils d'immigrés. Vous croyez que mes parents auraient quitté le sud du Liban dans les années 40, dans les années 30, s'ils faisaient bon vivre au Liban? Non, ils n'étaient pas. Ils n'avaient pas de travail, ils étaient dans le chômage, ils ne représentaient rien. Ils sont allés vers d'autres cieux. Et c'est pareil pour les Sénégalais, c'est pareil pour tous les peuples du monde. On ne quitte pas un endroit où il fait bon vivre. Alors, il faut que le Sénégal, que la ressource forestière, que la ressource halieutique, que l'agriculture, que l'élevage soient réellement pris en compte, de sorte à ce que ces préoccupations servent les populations. Il faut que la ressource serve les populations de manière intelligente et durable. Merci, Michel. Merci. C'est moi qui vous remercie. Chers amis, c'était le mot de la fin avec M. Haïdar que nous recevions aujourd'hui dans le cadre de l'émission. Nous allons en parler. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.